In 2017, a new research and innovation university was inaugurated here in Morocco. Designed from the outset to be an ecosystem for innovation, research, and entrepreneurship, the first of its kind to be built in Africa. A next-generation university with five founding principles. Promoting research, innovation, and entrepreneurship. Developing skills and knowledge. Bringing forth a new generation of competent leaders. Developing sustainable partnerships. Sharing the values of social responsibility and sustainable development. Attracting many of the best minds from Africa and across the world to its main campus here in Ben Gwir, 50 kilometers from Marrakesh. Mohammed VI Polytechnic University has a forward-looking approach to research and education, fully focused on innovation, experimentation, and the pursuit of excellence, with an ethos of learning by doing. PhD students and professors work together as part of a unique entrepreneurial culture, developing pertinent research projects critical to helping Africa realize its potential, with experimentation at the heart of education, starting research in small laboratories before scaling up to full-size experimentation in our living labs. Such as the experimental farms to test new methods in agriculture and fertilization. Making ideas grow and incubate in the innovation and entrepreneurship platform with a network of mentors, coaches, and numerous scale-up opportunities. Tackling the challenges of education in Africa is a core principle of the university by being close to policymakers while being anchored in academic analysis and knowledge. The university focuses on bringing concrete answers to the population's needs. The Digital Learning Lab develops digital modes of education, including massive open online courses, widening the reach of education and knowledge. The university aims to bring forth a new generation of environmentally conscious, competent leaders, offering scholarships to the best students from remote areas, being socially inclusive, giving a chance to everybody to succeed. The university is connected to a global network of academic and research institutions, while also developing partnerships with public institutions and industry, collaborating in R&D, continuous education, and knowledge transfer. Revitalizing agriculture in Africa is a challenge not only for the people of Africa, but for the people of an ever-growing world. By bringing humanities and technology sciences to the continent, and by educating the next generation of competent leaders, Mohammed VI Polytechnic University brings a solid contribution to Africa's sustainable development. Mohammed VI Polytechnic University, nurturing today's talent, impacting tomorrow's Africa. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette présentation. Je me présente, Dorothée Bocanfuseau. Je suis professeure et vice-doyenne de la filière économie à la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Je vais commencer par vous présenter une petite vidéo qui va faire un survol des disciplines qui sont enseignées dans notre faculté. Thank you.
Donc, au niveau de la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales, nous avons quelques éléments distinctifs sur lesquels je reviendrai plus en détail dans la suite de la présentation, mais très rapidement, nous sommes une faculté marocaine aux standards internationaux. Nous adressons des questions de politique sur le continent africain à travers des disciplines comme les sciences économiques et sociales. Nous proposons des formations de la licence au doctorat, donc en passant évidemment par les masters. Nous avons un corps enseignant composé d'experts internationaux. Nous offrons une pédagogie innovante, active, et nous aidons aussi au développement de soft skills. Nous procédons à une pédagogie avec un type de classe inversée. Et nous accompagnons aussi nous encadrons nos étudiants avec des advisors pour les encadrer dans leur parcours. Plusieurs de nos programmes permettent également de vivre une expérience de mobilité internationale. Et notre campus, donc la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales, est basée à Rabat, au cœur des institutions et du monde de la décision. Au niveau de notre programme de licence, c'est un programme qui s'échelonne sur 3 années. Au cours de la première année, nos étudiants ont un tronc commun, donc tous nos étudiants ont la même formation et suivent des disciplines aussi variées que les sciences politiques, le droit, l'économie, la psychologie, la sociologie. À partir de la deuxième année, nos étudiants sont invités à se spécialiser. Nous avons 4 filières actuellement à la faculté. La première filière est celle de sciences comportementales qui vise à mieux comprendre le comportement de l'être humain grâce à des disciplines telles que la sociologie, la philosophie, l'anthropologie, entre autres. Nous avons également la filière en économie appliquée, dans laquelle nous étudions les fondamentaux de la discipline, mais aussi dans laquelle nous utilisons beaucoup le monde qui nous entoure. Donc, nous travaillons sur des problématiques actuelles, tant au Maroc qu'à l'international. Nous avons 2 autres filières, qui sont les filières en sciences politiques et relations internationales, qui approchent les politiques publiques de leur conception à la négociation, et là encore au niveau national, mais aussi à travers les réseaux internationaux. Nous avons également la possibilité de faire des mineurs ou des parcours, ce que l'on appelle des parcours à la faculté, donc de compléter notre formation disciplinaire à travers des parcours. Nous en offrons 8 actuellement. Des exemples de parcours qui sont offerts. Vous pouvez avoir une mineure en droit, en data analytics for politics, en économie politique et développement ou encore en decision and behavior. Donc, ce sont des possibilités de diversifier votre formation au niveau de la licence. Nous avons 5 programmes de master à la faculté. Un premier master en économie et développement qui est bidiplômant avec l'Université Dauphine à Paris. Nous avons un deuxième master en analyse économique et politique publique, en sciences politiques, en relations internationales et en sciences comportementales et pour les politiques publiques. Nous avons également 3 formations doctorales, toujours en économie, en sciences politiques et relations internationales et un programme de doctorat en sciences comportementales et sociales également. Au niveau du corps enseignant, comme je disais tout à l'heure, nous avons un corps enseignant international. À l'heure actuelle, nous sommes une équipe qui approchons la 30aine de professeurs. Ces professeurs représentent à peu près 15 nationalités différentes. Nous avons également des professeurs affiliés qui viennent aussi d'organisations internationales ou du milieu, encore une fois, au niveau du Maroc ou international. Au niveau de la pédagogie, nous travaillons sur des problématiques qui sont ancrées dans le milieu. L'étudiant est porteur de son projet, donc on implique beaucoup l'étudiant dans nos projets. Et on développe également des aspects qui sont importants au niveau pédagogique, donc des compétences transversales pour aider au développement du savoir-faire et du savoir-être qui sont des caractéristiques très importantes dans la vie professionnelle. Au niveau de l'enseignement, nous procédons beaucoup par la pédagogie par classe inversée. Donc, nous avons de l'enseignement magistral, mais aussi beaucoup de travaux dirigés, des heures de disponibilité seul à seul avec les enseignants et aussi des questions de séance-réponse
pour, encore une fois, transmettre le savoir de différentes façons. Ce qui importe pour nous, c'est d'avoir une proximité renforcée avec les enseignants pour que les étudiants s'impliquent et se sentent valorisés dans leur apprentissage. Nos étudiants sont également accompagnés par des advisors, non seulement pour les accompagner dans leur cheminement académique, mais aussi pour les encadrer, les rassurer, les accompagner et les aider à prendre de meilleures décisions pour le présent, mais aussi pour leur futur. Comme je le disais tout à l'heure, dans nos programmes, nous avons la possibilité de vivre des expériences de mobilité internationale. Nous avons plus d'une soixantaine de partenaires internationaux à la date d'aujourd'hui et nous sommes également en train de développer de nouveaux partenariats. Et comme je le disais tout à l'heure, plusieurs de nos programmes vous permettent de vivre des expériences de mobilité internationale. Nous offrons également un support financier à nos étudiants, donc la possibilité d'obtenir des bourses et des aides financières qui sont attribuées évidemment sur des critères d'excellence, mais aussi sur des critères sociaux. Au niveau du profil d'un étudiant de la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales, nos étudiants, ce que l'on cherche chez nos étudiants, c'est des étudiants qui vont avoir un esprit critique et une ouverture d'esprit, une grande capacité de travail, qui vont être persévérants et qui vont avoir une force de caractère, une curiosité, une agilité intellectuelle, un esprit analytique, une adaptabilité. Notre objectif est d'outiller nos étudiants, de nous assurer de la maîtrise de ces outils, tout en tenant compte des spécificités des disciplines qui sont enseignées. Au niveau de l'agenda des admissions, les candidatures sont ouvertes depuis le 10, vous pouvez déposer vos candidatures depuis le 19 mars dernier. La date limite des dépôts des candidatures est le 30 juin, suivront les concours écrits et les entrevues pour les admissions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre la faculté à travers le site de la faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales, dont vous avez l'adresse à l'écran. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, on me demande comment les concours vont se procéder. Donc, comment le concours se passe-t-il? Il y a un concours écrit. Donc, avec des questions quantitatives, beaucoup. À ce niveau-là, c'est un concours comme dans beaucoup d'écoles. Et ensuite, donc c'est une épreuve écrite. Et sur la base des corrections de l'épreuve écrite, nous convoquons à des entrevues où vous passez devant un comité d'admission. Et suite à l'évaluation de ce comité d'admission et de l'entrevue que vous avez faite, bien, vous êtes soit invité à vous inscrire dans nos programmes, soit vous n'avez pas été retenu, mais on souhaite que ce ne soit pas le cas. Alors, au niveau de la langue d'études, nous avons des cours dans les trois langues, en français, en anglais et aussi des enseignements qui se font en arabe. On me demande aussi, est-ce que vous admettez des étudiants qui ont un bac en sciences physiques? Effectivement, la majorité de nos étudiants sortent d'un bac avec dans une filière scientifique. Des mentions habituellement, donc mention bien minimum, mais effectivement les bacs scientifiques sont des prérequis qui intéressent qui font partie des étudiants que nous avons dans nos programmes. Alors, pour bénéficier de la bourse, c'est déjà au niveau du concours, au niveau des résultats du concours. Et puis, comme je disais, il y a aussi des critères sociaux qui sont pris en considération. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais laisser la place à mes,
à mes collègues. Je vous remercie et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre par le site de la faculté ou au cours de la journée, selon les moyens qui ont été mis à votre disposition. Je vous remercie, vous souhaite une bonne journée et j'espère vous voir bientôt. Au revoir. I think that what we should be asking ourselves is what really is happening in Africa. And I think that it is remarkable in terms of a rising Africa and a new Africa and a lot of the different conversations that I've had. I've just come from King Mohammed VI Polytechnic University, which I think was, it, to put it in vernacular, blew my mind away. It was just really fantastic. Je crois que le rêve du roi Mohamed VI, de voir que le Maroc, certainement qu'il y a des ressources, mais surtout compter sur les ressources humaines et de bâtir ces ressources, pas seulement pour le Maroc, mais pour l'Afrique et pour le monde. Donc ce que nous sommes en train de construire ici, c'est de voir comment le monde de demain peut apprendre de l'Afrique. I've seen here transformation. So when we call about transformation of African economies, this is an excellent example of what can be made. It's a necessary element to transform fundamentally African economies by bringing together knowledge, education, and production. Hello, good afternoon. Thank you, Dorothée. Welcome to this session. My name is François Terrain. I'm the Director of Open Programs at Africa Business School. And in this presentation, I will focus particularly on our two master's programs, which are the programs available to our full-time students. We have two masters that will start in September, a master in international management and a master in financial engineering. They both follow the same structure. They are accredited by the ministry, so they are on 2 years, 18 months of studies, so 3 semesters, followed by 6 months of internship. These two programs are 100% in English, and they will be offered at the Africa Business School campus in Rabat. The specificities of ABS in terms of pedagogy, we like to draw our teaching from different fields and integrate them as much as possible into our different programs. We try to have the courses as interactive as possible, and we incorporate as much as possible also real life case studies. And you will see later also that there are many practitioners coming to our programs, to either webinars remotely or coming to speak and interact with you. And obviously, they are coming from all over the world. In terms of learning environment, you will have access to all the online resources of UM6P. We have some hybrid learning in place. We have in place all sorts of extracurricular activities through the associations, the conferences. Many possibilities, exchange of students happening in the second year that gives you lots of opportunities to personalize your journey. We also provide you support to your professional success through the career fairs that we organize, the professional coaching on your CV, on your project. We prepare you for the interviews. You will obviously have access also to the alumni database and events organized by UM6P, and we'll be able to follow you on your career progression. And the idea, of course, is that at the end of the program, we help you in looking for a job, or at least putting you in contact with many of companies that we have in our environment.
In terms of application requirements, the best is to go on the website, of course, but you will see that basically we need your CV, we need information of your on your last 2 years of studies. You need to have at least a bachelor or licence to apply to a master. And of course, as the programs are in English, we ask you for a specific level in English. That is the B2 level that can be assessed either through our own English test at UM6P or through the common test that you know, IELTS, TOEFL, etc., etc. Let me just stop the sharing and go back, as it seems that there is some technical problem. So let me share again the screen, hoping that it will work. Here we are. It's shared. Okay, I will start again. Okay. In terms now of the Master in International Management, three main characteristics. Of course, if you go on the website and if you ask for the brochure, you will be able to find all the details. With this master, it's in international and it's about management. So the idea is to give you all the knowledge, skills, concepts, resources, capabilities to become an international leader. Which means that we think that it's very important, and we see that in most of the modules that you will follow. We want really to broaden your mind and make sure that you are able to embrace an international perspective in the decisions that you will take and in the management of your organization or project. And the last point, which is something very important for UM6P, you have seen, but also obviously for Africa Business School, is that it is very important for us that the impact that you make and the global impact that we hope you will make is a sustainable one. The objectives of the program: train young professionals to work in an international environment. So it's a master in international management. So again, it's for if you plan to work in an international environment. It's a global approach on business management, talking a lot about globalization, of course, from a managerial point of view, and digitalization also, because it's obvious nowadays. So it's a general course on general management, but always with a very strong and clear focus on international issues and globalization issues. Then, as I mentioned at the start, we expect our graduates to be multidisciplinary and to be able to develop a comprehensive mindset on the different issues or challenges that you may have when you manage a project or manage an organization. This is very important for us. And it means also that on the international dimension, we integrate Morocco and we integrate Africa. We are called Africa Business School, and that's for a reason. The program schedule, year one, semester one, you will see it's most of the fundamental courses in management, with always a focus on international business. Semester two, we go into deeper projects, international business development, management of international projects, management in context. So we go a bit deeper than semester one, and always with the international context in mind. Then you've got the year two, where you have the semester one. We keep on working on specific issues, particularly management in Africa, corporate social responsibility. I mentioned a few minutes ago that it is very important for us, development economics, et cetera, et cetera. And then the last semester is for the internship. So you have the opportunity to have a 6 months internship, which is a great duration and can be used obviously as a pre-employment internship. We hope that if you choose carefully your company, and we'll help you in that, after the 6 months, if they like you, they keep you. Now we'll move to the Master in Financial Engineering. It's very different this than the previous one. This master is really about financial economic skills for careers in finance in Africa, and particularly in quantitative finance. So the idea is that really, and the objective of this program is that the financial environment is changing very quickly. There are more and more tools available and practices that are developed by financial institutions. And
there is a need for people who are trained, for graduates who are trained in these different areas. And of course, as I mentioned to you previously, we also care about the global sustainable impact. And in finance, as for international management, it is very important. Objectives of the program: master the design, analysis, and development of complex financial products. You will see later when I tell you about the courses, the different modules, that this is a program which is really for complex financial products, and with a specific focus on the African financial markets. We know that Africa is now more and more important in the financial planet, if I may say like this. And there are more and more companies developed around these areas in macrofinance, but not only. And so the objective is really to be able to train you in these different activities. You will see the program. Semester one, we start with economy, probability, statistics, foundations of finance, first module on financial models, and processes and stochastic calculus, sorry. So you see, semester one is really about the foundations that you need in stats, in probabilities, in financial models to be able then to move forward to earn more elaborated products. Semester two, so we start. There's one module on communication because it's important that for any master, and then derivatives, introduction to accounting and corporate finance, always useful. Again, we keep on working on computational methods in finance, Python programming for financial engineers, and actuarial studies. We will see that this semester two is really a very quantitative semester where we really work on the different models and tools. Semester three, another general topic which is very important, project management, because if you work in the financial world and very soon in your career, you will have projects to manage, so it's very important to have that. And then we go a bit further in the different topics: optimization, dynamic programming, stochastics, foreign exchange, and quantitative risk management. Same point as for the previous one. Semester two, you finish with an internship, and we will, of course, help you to find this internship. That's all for the presentation for me, and hopefully we have time for a few questions. Will it be possible to go from N1 in financial engineering to FOIA? There are two different modules, the two different programs, so I see what you mean. It's a good question. We never had this question. So I invite you to send you your information and your question on the email that we have, and we look into it and reply to you specifically. Yes, the admission process for this master's, you will see. So one part is the documents, and then there is a test that can be done by distance, and then there is an interview that can be done by distance also. So no issues with that. And I forgot to tell you, I don't know the audience that we have, but this master is obviously open to students from all over the world, not only from Morocco, and specifically Morocco and Africa. So we organize everything by distance, yes. I think it was the last question. If you have any other questions, you know how to join us. You can go to the Africa Business School booth on the platform. You've got our email. You can go on our website, and we'll be happy to answer any other questions that you may have. And I will wish you a very good afternoon and pass the baton to the next presenter. I think it's maybe Sirab for SHBM. Bye-bye.
Hi, everybody. This is the School of Collective Intelligence. My name is Kahalo Madigan. I'm the scientific director, and with me is Lex Paulson, the executive director. And hi, everybody. We're going to tell you about our two-year master's in collective intelligence. So hold on to your hat. So we are the School of Collective Intelligence, and our slogan is that we're advancing the knowledge and tools needed for a collaborative society. You'll start to understand what that means, hopefully, in the next few minutes. Well, the first thing you might want to know is, what is collective intelligence? And it's a new discipline, and it focuses on the question, under what circumstances can group outperform individuals? And this could be in lots of different ways, in learning, in solving problems, in making decisions. And this has become extremely relevant to our world today, given the increased interconnectedness of everybody. The fact that we can work in huge international teams online, and the fact that we do this more and more, particularly given situations like the COVID pandemic. And the science of collective intelligence is the study of what circumstances make it best for groups to perform together. Under what conditions can we act best as teams, organizations, or societies? Lex, do you want to tell us why the world needs specialists in collective intelligence? Yeah, so I mean, as Kahal is saying, the world is becoming more interdependent, and the problems are becoming more complex. That is to say, volatile, ambiguous, multidimensional. So whether you're a company trying to undergo a digital transformation, whether you're a government trying to solve a complex problem like poverty or territorial inequality, collective intelligence gives a series of methods and tools that help people who are trying to transform these organizations capitalize on the intelligence that exists. So this understanding of the human mind, this understanding of how we learn how to operate in groups, it's something both natural to our culture, but something we need to cultivate. And so our science is trying to give change makers the tools to unlock the intelligence of their teams, of companies, of governments, and of society. So as society grows more complex, the need for collective intelligence and collaboration grows ever more urgent. So our school is the first of its kind in the world. We are international faculty. I'm from the US, Kahal is from Ireland. We have international faculty from Morocco, from different countries in Europe. And we've come together in Ben-Gurion to create something that doesn't exist anywhere else. We are convinced that just as, you know, 60 years ago, we needed to create urban studies programs to face the rising complexity of cities, or 30 years ago, cognitive science departments were interdisciplinary creations of different fields. Today is the time where we need to be building this new science, because we need more and better ways of collaboration to solve problems like COVID, like climate change, international issues. So our school is dedicated to bringing together these disciplines, generating new knowledge, and through our master's programs, executive education, producing the people who have a scientific mindset who can solve these complex problems using collaboration. Yeah, and our community, our faculty is a very interesting group. They're all focused ultimately on this question of how to improve the performance of groups. But we have computer scientists, Mark Klein and Emile Servan-Schreiber and Fatima Zahra Ben-Marakshi. And one of the things they focus on is social computing, namely building computational tools that allow people to interact more effectively as groups. Ikram Shairi is a data scientist. And if you think about the fact that when we get information from maybe many thousands, hundreds of thousands of people on a survey, an international survey, we need to have the tools to extract meaningful information from those large surveys. And this is exactly the kind of thing that you're going to learn how to do in our master's degree. Florencia Devoto is a developmental economist, and she is exploring how groups can improve decisions for how to apply things like micro-lending schemes for rural communities. And then we have several cognitive scientists. Myself, Hugo Mercier, James Winters, and Brent Strickland. And we look at how the human mind works. And this is something that you really need to understand if you're going to understand how to make groups work most efficiently. And finally, of course, Lex works on deliberative democracy and participation, and studies the history of democracy and also the tools that we can design and build to allow groups to work effectively together, exercises to make teams more communicative and to allow information to flow more fluently.
So we also have an excellent management team who support all of the administrative challenges that we have. And over the last years and this year, we're working on a whole collection of projects. So on the one hand, we have a research program, which I'll tell you about in a minute, but we also have a PhD program. So you'll be interacting with PhD students. We have a master's program, which is the one you're maybe looking at right now, which is a 2-year program and currently with 13 students in it, but you'll be the second cohort of 20 students. And we also have executive classes like a master class for people who are coming out of corporations and they want to learn how to change their companies from the inside. Our research can be thought of as falling into 3 ideas: collective intelligence across Africa, collaborative learning, and collective computation. And the first one is where we take things like crowdsourcing, like the ability of large groups, maybe hundreds of thousands of people, to solve problems together. And we try to develop tools to allow them to do that en masse, like, as Lex was saying, problems facing us like climate change. In the collaborative learning group, we focus on the question how groups of students, either young students or university students or adults or older adults, can learn together in teams and what the best tools are to optimize that. And in the collective computation group, we do things like modeling the behavior of groups in large ensembles. So the master's program draws on 3 themes, and you're going to be taking courses in all of these themes. The first one is human behavior in cognitive science. And this is where the cognitive science tools kick in to allow you to design experiments to understand how people are going to react to different kinds of circumstances. So if you want to improve trust in your company, do you say, well, let's try this particular way of getting people to increase trust within the company. And we'll show you how to build an experiment to actually test a particular idea for how to do that. Computer science and big data stream allows you to build computational tools, but also to master data science techniques using big data. And I mean, at the very beginning, spreadsheets, but subsequently machine learning and AI to deal with large amounts of data. And in the management and organizational transformation stream, you can focus on the question of how change is brought about within a company. And of course, our particular focus is how to change a company to make it work better as a group. And the semester plan is like this. And the first 3 semesters, that's the whole of the first year and the beginning of the second year, you'll take courses in each of those areas. And then at the end of the first year, you take a 6-week internship in a company where you work with a team of professors to design a solution to a problem facing the company. And then in the second half of the second year, you do a scientific internship. You go back to that company and you apply the solution you've come up with the professors, and you work with the company to implement it. Lex, do you want to tell us about the recent alumni? Absolutely. So one of the really exciting things about being part of a new field is that we're starting to build a network of collective intelligence practitioners, people who are trained in the science through our school, but who are applying these methods to major real world problems. So just yesterday, we had our first alumni day. We had over 60 graduates of our master classes and winter school and executive programs come together with our master's and PhD students to exchange their news, their knowledge, their learnings from their projects. And these ranged from a digital transformation project for a major industrial company to a project in territorial innovation, helping bring better remote education access into rural villages in Morocco, to designing participatory processes for young entrepreneurs in Senegal and Rwanda who are trying to make the government policies more favorable to opportunity for young people, to promoting equity of women. One of the big factors in collective intelligence is gender equity. And so we are touching a whole range of social and systemic issues. So if you're a systems thinker, if you like thinking broadly about how to make organizations better, how to make society better, this could be a good fit for you.
And the, and in terms of the career outlook, so we have people from our school who are very much thinking about the private sector, how to make companies more agile, inclusive. A lot of companies have the same model for the last 100 years, and so it's reinventing companies through research and development, through working in human resources. So people really interested in transformation. We also have people very interested in data and computer science, for whom their career might focus more on data analysis, how to generate and integrate forms of data that help inform collective decisions. And then there are people who are very interested in their own ideas, starting a new company, a new way of delivering services, or maybe being a consultant to companies trying to transform themselves. So these are some of the areas in the private sector, as well as bringing these kinds of methods to government. And one of our important partners this last year, the Commission Spéciale, came to us to be advised on methods of consulting 36 million people in Morocco. So these methods can help open a career to you in the private sector, in government, or in entrepreneurship. Thanks a lot, Lex. So our deadline is May 31st. Just keep that date in mind, 1 month or 2 months from now. After that, you'll have a written exam and an oral interview. And something also to be borne in mind is that we have two types of scholarship, based on financial need or based on excellence, depending on your ranking in the admissions test. So you have to have a BA, but we're open to people from a broad range of backgrounds, although strength in computer science or data science or mathematical methods is going to be a big help. And finally, we just mentioned that we have collaborations ongoing with multiple departments and academic groups around the world, including the Département d'études cognitives in Paris, NYU, Yale, MIT. So it's a really exciting environment to be a part of. So I think we have a few minutes left for questions. And so we'll see if there are any questions that have showed up. Great. So as we mentioned, a lot of companies are looking for ways of transforming themselves to be more agile, to make better use of the intelligence within their companies to solve problems like the market is changing or new technology is disrupting their business. So one of the jobs is working within companies either as a member of the research and development team or the human resources team to help the company that's maybe has the ideas or has different parts of the solutions they need to more effectively combine the knowledge that exists in a company. So that's a private sector kind of job. We also have people who are going to be very full on into scientific research, who are interested in generating new knowledge in laboratories as part of universities. And we also have people who are interested in social change and social impact, in trying to make our schools and universities more collaborative through these methods of collaborative learning. So there's a whole range of jobs, but really the demand is coming from governments and companies that are trying to find better solutions to these problems that are becoming more urgent and more complex. So to register with the university, you send us all of your transcripts and things like your birth certificate, and then we take care of the rest. So you have to have all of those documents delivered to us by a certain date. Because of the current situation, you have to take that into consideration fairly early on in the game and get them in the post early. But it's straightforward. And if, of course, if you're within the group who receives scholarships, then you don't have to pay money in advance because that is handled for you at this end. We're really excited to meet everybody. Please come by our stand and say hello. On behalf of the school, thank you guys so much for listening to us. Cahal? I think that what we should be asking ourselves is what really is happening in Africa. And I think that it is remarkable in terms of a rising Africa and a new Africa and a lot of the different conversations that I've had. I've just come from King Mohammed VI Polytechnic University, which I think was, it, to put it in vernacular, blew my mind away. It was just really fantastic. Je crois que le rêve du roi Mohamed VI
de voir que le Maroc, certainement qu'il y a des ressources, mais surtout compter sur les ressources humaines et de bâtir ces ressources, pas seulement pour le Maroc, mais pour l'Afrique et pour le monde. Donc, ce que nous sommes en train de construire ici, c'est de voir comment le monde de demain peut apprendre de l'Afrique. I've seen here transformation. So when we call about transformation of African economies, this is an excellent example of what can be made. It's a necessary element to transform fundamentally African economies by bringing together knowledge, education, and production. Hello, everyone. And thank you for joining us for these UM6P Open Days. So if you're here today, it is probably because you are asking yourself a lot of questions about your future. Well, here are a few that we're curious to know your answers to. And the first one is, do you want to be a fulfilled professional? So do you want to graduate with professional skills, management expertise, and real work experience that will help you become the best version of your professional self? Do you want your job to have meaning? So do you want to have impact on both local and African levels? And do you want to be making a difference in people's life? And last but not least, do you want to be part of a culture of a world of cultural openness, travel, and discovering and acquiring knowledge that will broaden your perspective on the world, develop cultural awareness and language skills, and build a global network for the future? So, well, if your answers to all these questions are yes, then you are in the right place, because this is what SHBM's bachelor's program aims to give you. So I'm Siram, I'm the director of SHBM. I'll be your host today, and I'm overly pleased to welcome you here alongside this beautiful panel, namely Mr. Karim Sentisi, our director of operations, Dr. Helena Williams, one of our SHBM professors, and Mr. Yves Samake, our corporate executive chef and instructor. So today we will give you an overview of our school and program. We will share our values, which are exemplarity, daring, and caring, or caring and daring. And we will go over our admissions criteria to help you determine if this is the right school for you. So at a glance, SHBM, UM6P School of Hospitality, Business and Management is a business school with an edge. So what we mean by that is that you will be given all the tools that are needed for you to succeed in a business environment, but with the hospitality edge that will give you the savoir-être, savoir-vivre, that will differentiate you from more general graduates, but also give you the resilience and mindset that will help you accomplish your professional goals. What we offer at SHBM is a four-year bachelor's degree in hospitality, business and management. It is tailored to prepare you for a global career within one of the world's fastest growing industries, the tourism industry. We believe in having strong partners, both internally and externally. SHBM is actually the only member of the EHL network of certified schools in Morocco. So we're very happy to count EHL as one of our partners, as it is the number one hospitality management school in several global rankings. And our motto, learn from the best to be the best. So in our partner's choice, but also with our trainings and courses that are delivered by international and local experts who have the right blend of industry experience and academic skills. So this is how we aim to achieve excellence at SHBM, which leads me to our first value. And I will give the floor to Karim Sentisi to talk about exemplarity.
I think Karim has a connection problem. I had. Okay, great. To you, Karim. Okay. So at DTHPM, our mission is to train ethically and socially responsible managers with an entrepreneurial and resilient mindset. My name is Karim Santisi, and I'm the Director of Operations for SHBM. I've had over 30 years experience as a hotel manager in Morocco, but also in Canada and the Middle East. Today, I contribute every day in shaping tomorrow's conscientious and proactive managers. At SHBM, we know that the best way to learn is to do. You will be coached throughout practical classes and learn soft skills and languages that will get you ready to embark in the world of hospitality management. Also, our students become professionals at the moment they start their degree from day one. Punctuality, dress code, savoir-être, savoir-vivre will be your mottos. You'll be in a continuous interaction with top industry leaders and professionals and start building your professional network from day one. Our courses offer a dual approach to develop academic and professional excellence. Practice is key to excellence, and excellence is what we try to achieve at SHBM. Let me introduce you to Yves, our corporate executive chef at SHBM, to introduce our next value. Good afternoon. My name is Yves Samaki. I'm the corporate executive chef at SHBM. Why a chef of hospitality and business school? The answer is simple. A kitchen is one of the best playing fields to learn team spirit, teamwork, leadership, customer service, and empathy. About teamwork, there are very few jobs in a culinary world where you do not rely on other people. Learning how to play a role in a large group while communicating with everyone else is an essential skill in the kitchen. Leadership is leading by example, practice what you preach, and show what you mean. As a team leader, you have to show your team the way forward and how to get there. Customer service, we're a service professional. As such, we should always go out of our way to fulfill the guest's needs and expectations. And empathy is key of our world. As an hospitality employee, it is to achieve by being an effective listener to customers and colleagues, by being trusting toward honesty and sincerity, and having an open and understanding of differences among every individual person. The ability of an employee to relate to their customers is a significant indicator of good quality service. And I will hand out the baton to Elena to continue on this track. Thank you, Yves. I need to say this idea of caring at SHBM is so critical to the whole entire field of tourism. And I come here, it's a privilege for me to be here in front of you today, as well as to be here working with students every day as we explore all the things that are available in the tourism domain and how young leaders like yourself will be part of the future of tourism in Morocco and throughout all of Africa. So I ask you to join me in my passion, which is looking at tourism through the eyes of food, and especially the food in Morocco. I study gastrotourism, and it's something we can do together here at the university. And I'm welcoming you to join with me and be part of the future that helps preserve and helps us understand Moroccan food culture and heritage through your experiences here at SHBM. Thank you. Thank you, Elena. And I will jump to our third value, which is daring. Daring because we feel that you have to be comfortable enough, but also knowledgeable enough to be able to make choices for your future. So whether you choose to just follow the hospitality career path, to follow or pursue an academic career, or to become an entrepreneur, have your own concept of restaurant, food truck, boutique hotel. So we aim to give you all the tools to be able to dare at SHBM. To give you a bit of an idea of where graduates of hospitality and management schools work,
So it's about 47% in the hospitality industry, 53% in other sectors. Although what all these companies have in common is their customer centricity and service oriented mindset. So it means that even if you don't go for a regular or for a hospitality company, there are plenty of opportunities for you after you graduate from SHBM. To give you a little bit an idea about our bachelor's degree, it is over 4 years and 8 semesters. The first year is a preparation year where you acquire practical experience and knowledge that will help you and give you the tools to move on to the next 3 years that are more theory courses, managerial courses. So the year two, we were laying a foundation. In year three, we determine so all that knowledge that you acquired to practicing business analysis, applied management, strengthening marketing knowledge, tactics, etc. And then in the fourth year, we go in depth and we do an integrated business analysis. We do student business project with companies. So we go more in deep into the program. So our curriculum is available to download on the platform. So I'm just giving you here a few examples of classes: marketing, innovation, hospitality, strategy, tourism, entrepreneurship, finance, catering, game theory, cost control, bakery. So it's all a very wide range of courses, and you can find the details on our stand in the platform. So are we a match? So this is where we determine if you have you fulfill the admission requirements at SHBM. So the very first thing is to have very strong academic records. And of course, obtain your diploma of higher secondary education. You have to be proficient in both English and French, although the program is mostly given in English. A good understanding of French, we believe, is very important in our Moroccan and more generally African context. You have to have a passion. You have to be open to the world, creative, resilient, and prove motivation. And we require a minimum age of 16 years old. How to apply? So we will have a first step, which is the online application that is going through until June 15th. So you have to submit academic transcripts, recommendation letters, essays. And after you pass the first evaluation, after our commission studies your application, you move on to the online test, which is a test on English, French, and also general knowledge. And then the third step, once you pass your online test, is to undergo an interview with a panel from a very diverse background. So from academia, so from other universities, from hospitality industry, from our university, and so on. So thank you so much for listening. I will leave you here with our contact details. And of course, feel free to ask any questions. Thank you. So the first question I see here: when should I apply? What is the profile of students you are looking for? So I partly answered that question. You can apply as early as now. So it's available on our website. You can apply, submit all the forms. We strongly recommend to apply as early as possible. So the earlier you apply, the better your chances to be accepted and to be considered at SHBM. And the profile of students we are looking for is really, if you listen to our three values, so it is really what we are going to look for, or at least the potential to develop those values in students. So the excellence will come from your academic records, from your exemplarity, but the daring, caring part is going to be shown throughout your essays and through your interview. And this is how we will determine if you're at the right profile. And just
just so you, we do not have a specific baccalaureate or high school degree that we require. So you can come from a scientific background, a literary background, economics. We do accept all baccalaureate and high school degree types. So the scholarship, we do offer scholarships at SHBM. The scholarships are, the process of the scholarship starts after you are admitted to the school. So once you complete the three steps that I showed earlier on the application slide, then you can submit your scholarship application. So there are going to be a few documents that you will be asked to provide. So make sure that you start to your scholarship process as soon as possible. So we, if you are admitted, we will give you a date when the scholarship platform will be online. And we suggest that you go there as early as possible. We will beforehand give you the list of documents that you have to prepare. Again, because it's going to be summer, it's going to be a lot of day of aids and days off and closure of administrative entities. So please make sure that you take the time to prepare your paperwork very early. And once we receive all the paperwork, then our foundation, the foundation that provides the scholarships, is going to evaluate the percentage of scholarship that you will be able to acquire. So at our school, we have about, right now, about 50% students that are 100% covered by a scholarship, and about 20% or 30 that have partial scholarships. So I think this was our last question. I would like to thank again Helena, Eve, Karim for being with us today. And I would like to thank you all for coming, for listening to us, and for your interest in SHBM. And we look forward to see you on our website and to receiving your emails, your calls. We're all ready to answer and help to help you through the process. Thank you and goodbye. Bye. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Mamoun Rildab et je vais vous parler de Maher Center. Alors, Maher Center, c'est un centre qui a été créé à l'UM6P en partenariat avec Connect Institute. Et notre centre de spécialité est, donc, nous travaillons sur la culture, l'éducation et la jeunesse. Alors pourquoi et comment est-ce que nous travaillons sur ces sujets-là. Je vais commencer par vous lire une citation de Yuval Noah Harari. Il dit donc, « Les écoles devraient minimiser l'importance des compétences techniques pour privilégier les compétences générales. La plus importante de toutes sera la capacité d'affronter le changement, d'apprendre des nouvelles choses et préserver notre équilibre mental dans des situations peu familières. » Donc, dans son livre, 21 leçons pour le 21e siècle, Yuval Noah Harari dit quelque chose qui nous parle énormément aujourd'hui, parce qu'on vient de vivre une année qui est extrêmement perturbante, extrêmement inhabituelle. Et donc, dans ce contexte, l'important est de préparer les jeunes à affronter le changement, de les préparer à s'adapter au monde qui vient, et particulièrement au Maroc. Au Maroc,
on est un pays où on a à peu près la moitié de la population qui est jeune. Et le Maroc ne peut pas penser son développement sans sa jeunesse. Du coup, ce en quoi nous croyons, ce pourquoi nous agissons, c'est qu'au Maroc, il faut une jeunesse qui soit cultivée, créative et inventive, et surtout une jeunesse qui soit motivée pour rester au pays et pour s'engager pour le développement du pays. Ça, on le fait au sein de l'université Mohamed VI, à Maher Center, d'une façon assez particulière, parce que Maher Center est un cursus où les jeunes qui sont inscrits sont des participants. On considère qu'ils sont là pour participer à une mission. Donc, ils sont là pour un an. Et pendant un an, ils apprennent, ils créent, ils produisent beaucoup de choses qui vont dans le sens d'une contribution au développement de ce pays, particulièrement sur les thématiques liées à la culture, à la jeunesse et à l'éducation. À Maher Center, du coup, pour être dans l'esprit de cette citation de Yuval Noah Harari et pour travailler sur cette mission qui est d'avoir une jeunesse capable de porter le développement de ce pays, nous sommes un centre assez particulier parce que nous ne donnons pas de notes. Vous n'aurez pas d'examen. Par contre, il y a beaucoup de choses à produire, beaucoup de travail en autonomie et énormément de choses à apprendre et à partager. Je vais être un peu plus précis. Notre approche pédagogique, en fait, qui a été fondée par Connect Institute, elle s'incarne donc en un programme d'un an, qui est un programme certifiant. Et dans ce programme, vous allez apprendre plein de choses, notamment à travers le bloc culture générale que je vais présenter. Vous allez pratiquer et créer beaucoup de choses à travers le bloc sur le terrain et la créativité appliquée. Et enfin, vous allez partager tout ce que vous apprenez. Quand on parle d'apprendre, à Maher, on développe notre culture générale. Il y a des séances d'histoire, de philosophie, avec d'éminents professeurs. Il y a donc beaucoup de travail sur la découverte de la littérature, littérature arabe et aussi littérature internationale. Il y a des cours sur la musique, beaucoup de conférences pour rencontrer des personnalités qui sont inspirantes et qui partagent leur expérience avec les participants. Aussi, nos participants font des exposés et ils écrivent beaucoup. C'est ce que j'ai appelé ici exercice de curiosité. En fait, à Maher Center, on pousse nos participants à apprendre en lisant, en s'intéressant à des sujets, à réfléchir en débattant sur ces sujets, mais aussi en écrivant sur ces sujets pour structurer leur réflexion. Et bien sûr, un des outils principaux sur lesquels on travaille, c'est la maîtrise de la langue, et particulièrement la maîtrise de la langue française. Donc, quand on a appris, on développe sa culture générale, on s'ouvre à tout un champ de connaissances qui est très, très inspirant et qui structure la réflexion. Il est important de connaître le terrain pour pouvoir apporter un changement dans ce pays. Donc, il y a des journées de partage où on va dans des centres au contact d'autres jeunes pour faire des activités de terrain. Il y a des stages pratiques aussi, où donc, le Maher Center fait partie d'un réseau de centres. Il y en a à Youssoufia, il y en a à Agadir, et il y en aura aussi à partir de la rentrée prochaine à Rabat, à Jdida et à Khouribga. Dans ces centres, il y a des jeunes avec qui les participants Maher vont animer des activités, des séances. C'est une manière de se former par la pratique à la construction du changement par l'accompagnement de la jeunesse et par l'invention d'une nouvelle méthode éducative. Et aussi, nos jeunes participants portent des challenges. Ce sont des projets de développement humain sur lesquels ils travaillent toute l'année et ils créent des outils, ils créent des méthodologies qui permettent justement de repenser l'éducation et de créer des manières de permettre aux jeunes de s'ouvrir à la culture, de développer les quatre compétences clés sur lesquelles nous travaillons, qui sont la communication, la créativité, l'esprit critique et la collaboration, savoir travailler ensemble pour créer de belles choses. Donc, une fois qu'on s'est formé, qu'on est allé sur le terrain, on développe aussi des capacités créatives, ce qu'on appelle la créativité appliquée, à travers les arts manuels, la photographie, la pratique du théâtre, l'écriture créative, la maîtrise des outils digitaux et web. L'idée est d'avoir des moyens de création, d'expression qui soient variés et développer la polyvalence, pour pouvoir faire des projets où on peut déployer justement une certaine polyvalence créative
maîtriser plusieurs techniques qui sont utiles pour passer des messages, pour construire des projets, pour clarifier des idées. Le quatrième et dernier bloc que je voulais vous présenter, c'est celui qu'on appelle communauté et partage. Tout ce qui est appris par la culture générale, mais aussi par le terrain et la pratique créative, il est destiné à être partagé. Donc, à Mael Center, les participants créent des cellules créatives. On a une cellule qui fait du podcast, une qui publie un magazine tous les mois, une cellule qui fait des vidéos, elles sont très productives. Vous pouvez retrouver les vidéos sur notre site web maher.ma et aussi sur notre chaîne YouTube. On a une cellule musicale qui est en train de créer l'orchestre UM6P. On avait une résidence théâtrale la semaine dernière à l'UM6P. Ils travaillaient sur une pièce de Bertolt Brecht. Enfin bon. Donc, les cellules créatives sont un moyen de transmettre des idées de plein de manières différentes pour un public de jeunes. On organise des événements, je vais vous en parler juste après, et aussi des ateliers de partage au sein de l'UM6P, des ateliers de lecture, des cercles de lecture et de débat, et des ciné-clubs et beaucoup d'autres choses. Les profils que nous recherchons pour suivre ce cursus qui est assez particulier et qui est très inspirant, ils sont sélectionnés sur la base de leur motivation, des qualités personnelles des candidats. C'est-à-dire que vous pouvez regarder sur notre site web, il y a une section sur les critères, vous verrez qu'il est conseillé d'avoir un Bac+3 et d'autres critères de ce genre-là, mais ce ne sont pas des critères exclusifs. Nous, ce qu'on recherche, ce sont des jeunes qui sont prêts à s'engager pendant un an pour apprendre, pour se renforcer eux-mêmes, mais aussi pour partager, pour contribuer à une cause qui est un peu plus grande qu'eux, qui est celle de donner à la jeunesse marocaine la capacité de contribuer réellement au développement de notre pays, et ce, à travers une ouverture à la culture, à travers la création de nouvelles méthodes éducatives. Donc, on veut des jeunes qui soient conscients de leur rôle pour créer un changement dans ce pays. On veut des jeunes qui aient, de préférence, un talent confirmé dans une discipline intellectuelle, artistique ou technologique, c'est-à-dire... si vous êtes musicien, si vous maîtrisez le graphisme, la vidéo, si vous savez faire de la robotique, mais aussi si vous aimez le théâtre, si vous avez une belle plume, tous ces talents-là sont utiles dans l'idée de partager, de créer des contenus, de créer des méthodes et d'innover. On veut des jeunes qui soient capables de démontrer réellement leur motivation, leur engagement et leur curiosité intellectuelle. Il faut être curieux pour intégrer Mael. Il faut avoir envie d'apprendre des choses. Il faut avoir envie de faire l'effort d'apprendre ces choses-là et de les partager. Et enfin, on veut des jeunes qui ont envie de vivre une expérience qui soit différente et qui leur permet de se rendre utile. Donc, si vous avez entre 22 et 30 ans et que vous sentez que vous répondez à ces critères, regardez nos sites web, maher.ma. Vous verrez, il y a un lien pour postuler et il y a aussi plus d'informations qui sont données. Pour incarner réellement, vous donner une idée de ce qu'on fait, ce que produisent nos jeunes, parce que quand je vous dis qu'ils créent, ils créent réellement de leurs mains, individuellement et collectivement. Cette année, il y a actuellement à l'UM6P une exposition qui est en place depuis le 15 février, qui s'appelle Nebni. C'est la deuxième édition de Nebni, et cette année, c'est sur la thématique lire et écrire. Les jeunes de Mael sont allés s'informer. Ils ont regardé les documentaires, ils ont lu, ils ont réfléchi à l'invention de la lecture et de l'écriture. Ils ont réfléchi à l'apport de ces deux inventions majeures pour l'humanité. Et ils ont créé à partir de là toute une exposition qui est sur plus de 600 mètres carrés avec une centaine de créations qui sont exposées. Il y a des infographies, il y a des sculptures, il y a ce que vous pouvez voir ici sur l'écran, un livre géant qui fait plus de 2 mètres de haut sur la gauche de l'écran. Qui est un livre qui contient des éléments d'Arduino, de robotique, il y a aussi du coding qui a été fait en partenariat avec 1337, notamment pour créer un livre qui nous parle. Quand on s'approche de ce livre, c'est lui qui nous lit des choses et qui nous informe, qui nous apprend. Il y a sur la droite un arbre que vous voyez, c'est un arbre géant qui fait plus de 3 mètres de haut, qui est survolé de 600 oiseaux en origami. Tout ça a été créé par nos jeunes. Et ils ont aussi recréé du parchemin, du papyrus, des outils d'écriture anciens, une machine d'imprimerie. Enfin voilà, c'est vraiment un beau travail qui allie l'esprit, l'intellect et les mains pour pouvoir créer des choses et les transmettre. Parce que tout ça est visité par des lycéens, par des jeunes, par des délégations, par énormément de gens. L'idée est toujours de partager tout en apprenant et partager tout ce qu'on apprend à travers la créativité.
Autre exemple de ce qu'on fait qui est très intéressant, ça c'est un programme qui commence cette semaine, chaque année depuis la création de Connect Institute et depuis la création de Maher l'année dernière, des rencontres FEED sont organisées. Pendant ces rencontres, on a des personnalités qui sont réellement des personnalités avec un bagage dense, intéressant, avec une réflexion approfondie sur le Maroc, sur sa culture, sur le développement de ce pays. Et ces personnalités viennent dans un cadre intimiste, avec une trentaine, une quarantaine de personnes en face d'eux, dont essentiellement les jeunes Maher, mais aussi d'autres personnes de l'université, d'autres étudiants. Et il y a un échange humain qui se crée, il y a vraiment un partage. Ce n'est pas du tout une conférence magistrale où on n'a pas le temps de connaître la personne. Au contraire, il y a un vrai contact qui se crée et ces conférences FEED sont... heureusement, on arrive maintenant, avec l'allègement des conditions sanitaires, à commencer à les organiser et on va continuer à le faire tout le reste de l'année et l'année prochaine aussi. C'est extrêmement instructif. Voilà, je vais rester là pour la présentation du programme et de ce qu'on fait. Après Maher, ce que vous deviendrez, parce que c'est une question importante, l'idée est qu'à Maher, on travaille sur soi. Donc, ce que nous promettons, c'est une transformation personnelle où le jeune renforce sa personnalité, renforce sa capacité intellectuelle. Vous allez développer votre polyvalence créative, vous allez vous ouvrir à tout un monde culturel, intellectuel, mais aussi vous allez mettre les mains à la pâte sur le terrain, vous allez mieux comprendre la réalité dans laquelle nous vivons au Maroc et la réalité de la jeunesse spécifiquement dans le domaine de la culture et de l'éducation. Vous allez développer une appartenance à une communauté. On a plus de 600 jeunes qui sont passés par les centres de l'écosystème Connect Institute et Maher Network jusqu'à maintenant. Tous ces jeunes sont encore connectés, ils créent ensemble, ils continuent de s'entraider, de travailler, de réfléchir ensemble. Vous allez appartenir à cet ensemble humain qui est très dynamique. Et pour vos perspectives, pour votre avenir, l'idée est que vous soyez prêts à travailler dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'action sociale, dans tout type d'organisation. Et on a beaucoup d'étudiants, de participants qui sont passés par Maher, qui ensuite vont continuer leurs études. D'autres vont travailler. Ceux de l'année dernière, la très large majorité, ont trouvé leur voie malgré un contexte qui est très difficile avec le Covid et la situation sanitaire actuelle. Mais l'essentiel à retenir, c'est qu'un jeune qui passe par Maher est outillé pour devenir un citoyen actif et positif qui, quel que soit son domaine, contribue à la marche de ce pays d'une façon positive et voilà, appartient à une communauté qui est motivée par cet objectif qui est très noble. Merci. Alors, je vais répondre aux questions. Alors, donc une question sur la sélection. Comme je vous ai dit, la sélection, nous regardons bien sûr le parcours académique des jeunes, mais pas uniquement. Nous avons un processus de sélection qui est assez typique. Donc il y a un formulaire actuellement que vous pouvez remplir pour nous présenter votre CV, une lettre de motivation, mais ensuite les profils qui nous intéressent sont invités à nous rencontrer et on a un échange, on a des activités, des ateliers qui sont menés individuellement et collectivement, le tout pour arriver à détecter cette étincelle chez certains d'entre vous qui nous laisse comprendre que vous avez envie de vous engager. Très bien. Mon temps est écoulé. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à visiter notre stand sur les journées portes ouvertes et nos réseaux sociaux. C'est toujours Maher Center sur Facebook, sur Instagram, etc. Et notre site web www.maher.m. À très bientôt.
Bonjour, je suis Hind Vernossi de 1337, ravie d'être parmi vous durant ces journées portes ouvertes. Donc avant de commencer à vous présenter 1337, je vous laisse avec une première vidéo qui va vous donner un avant-goût de ce que c'est. Allons-y pour la vidéo. Le 21e siècle est numérique. Les technologies nous permettent de travailler, de nous exprimer. Elle nous relie les uns aux autres. C'est parce que dans un monde qui change, l'innovation est la clé du futur qu'a été créé 1337. 1337, c'est d'abord une idée. L'idée que le numérique peut et doit être accessible à tous. C'est pour cela que l'école d'excellence 1337 est entièrement gratuite, sans condition de ressources ou de diplôme. À 1337, tout le monde a sa chance. C'est à Rulibga que 1337 a été créé, à l'initiative de l'OCP, en partenariat pédagogique avec la célèbre école 42 Paris. 1337 accueille depuis octobre 2018 200 jeunes venus des quatre coins du Maroc et d'Afrique avec différents backgrounds. Elle en espère 900 courant 2019, car de la diversité naît l'émulation et la créativité. À 1337, nous sommes très loin d'un système d'apprentissage classique. Ici, on étudie autrement. Pas de professeur, pas de cours, pas de manuel. C'est ce qu'on appelle le peer learning. Les étudiants travaillent en groupe sur des projets, quand ils le souhaitent, dans les locaux qui sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils apprennent ainsi l'autonomie, le travail en équipe et l'adaptabilité à toutes les innovations. Et en effectuant des stages en entreprise, ils découvrent la réalité du monde du travail. Un alumnus de 1337 sera donc capable de s'adapter à toute forme de savoir et de travail. 1337, c'est pour tout le monde. Il y a un codeur en chacun et le rôle de 1337 est de révéler ses talents. Pas besoin d'avoir des connaissances en informatique, il suffit d'avoir entre 18 et 30 ans et de savoir manier un clavier et une souris. Construite sur plus de 4000 m², 1337 casse tous les codes. Dans nos locaux, tout est pensé bien-être et vivre ensemble. C'est au milieu d'une architecture moderne que 1337 accueille ses étudiants. Nous n'avons ni classe, ni bureau, juste des clusters, des salles de travail ouvertes, équipées d'ordinateurs dernière génération, dans un environnement propice à la créativité. Sans oublier les espaces de détente, les salles de réunion, l'espace événementiel et le restaurant. 1337 n'est pas un projet, mais une vision. L'école s'intègre dans la dynamique du Mail central, destinée à créer un écosystème régional et un hub numérique autour d'incubateurs d'idées, de plateaux d'entreprise, d'espaces de coworking, de Fab Lab. Non loin de l'école, un campus tourné vers l'univers du numérique est à l'étude. Ouvert sur le monde, il favorisera les rencontres et synergies entre les étudiants et les personnes extérieures. Cette ambition de construire le futur, nous l'avons en chacun de nous. C'est un potentiel qui ne demande qu'à être révélé. Avec 1337, le futur nous appartient. Il est entre nos mains, sur un clavier. 1337, Future is loading. En effet, 1337 Future is loading. Et puis, si vous avez été très attentif à la vidéo, vous allez me dire, on parle de Khribga et ouvert en 2018. Mais depuis 2019, 1337 existe aussi à Bengaluru. Nous sommes aux journées portes ouvertes de l'Université Mohamed VI, Polytechnique, et donc ça concerne Bengaluru. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais ici? Donc, effectivement, 1337 fait partie de l'Université Mohamed VI Polytechnique. C'est une des écoles de l'université. Et qui a aussi un campus à Bengaluru ouvert depuis 2019. Donc, on va revenir rapidement sur les concepts de base de 1337. Donc, c'est un partenariat effectivement entre le groupe OCP et l'école 42. Et aujourd'hui, on fait partie d'un réseau de plus de 33 campus à travers 22 pays à travers le monde. Donc, tous les étudiants de 1337 et de 42 Network travaille et étudie selon la même pédagogie. Cette pédagogie est basée sur 3 ou 4 piliers. Donc, comme vous avez pu l'entendre ou remarquer, c'est que d'abord, ce sont des écoles ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. RISET, la formation initiale standard que nous avons tous connue. Ce sont des écoles gratuites.
ouverte sans prérequis de diplôme ni de connaissances en informatique. C'est-à-dire que vous ayez votre bac ou pas, que vous ayez déjà une expérience en informatique ou pas, cela ne nous importe peu. Le plus important, c'est que vous soyez motivé, que vous ayez la rage et l'envie de pouvoir faire quelque chose de votre vie et de pouvoir vous développer dans ce domaine si vous passionne. Et donc, qui dit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dit que cette école n'a pas de classe et n'a pas de professeur. Donc, c'est basé sur ce qu'on appelle le peer learning. Donc, chaque étudiant est à la fois professeur et étudiant. Donc, on travaille sur une cartographie de projet qui est basée sur de la gamification. Donc, comme quand vous jouez à un jeu vidéo, vous devez valider un projet pour pouvoir passer à un niveau supérieur par vos pairs. Et donc, ainsi de suite, vous avancez d'un niveau à un autre en validant vos projets. Donc, tout ça est gamifié, comme dans un jeu vidéo, comme quand vous voulez déloquer à un niveau pour passer à un niveau supérieur. Et donc, tout ça est basé sur le peer learning. Une fois que vous avancez sur vos projets, vous validez des niveaux, vous avez des points d'expérience et vous avancez ainsi. Donc, vous allez me poser la question, est-ce que 1337 délivre un diplôme? Nous ne délivrons pas de diplôme, mais des certificats. Un certificat reconnu par l'école 42 et par beaucoup d'entreprises qui sont du domaine, parce qu'aujourd'hui, le plus important, c'est pas le diplôme, mais c'est qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous avez appris? Comment vous vous êtes construit vous-même et comment vous pouvez régler vos problèmes et les problématiques auxquelles vous faites face au sein de l'entreprise? Vous allez me dire, tout ça, c'est intéressant, mais comment on y accède? Donc, comment on y accède? C'est très simple. L'école, pour y accéder, c'est trois phases essentielles. D'abord, un test en ligne qui est ouvert tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui dure 2 heures et 10 minutes. Aucune question n'est posée, aucune relation avec l'informatique, juste un test de logique et de mémoire. Une fois que vous le validez, vous devenez admissible 24 heures sur 24, vous devenez admissible tout le temps. Où est-ce qu'on le trouve? Sur 1337.ma, www.1337.ma. Vous créez votre profil et vous passez ce test. Une fois que vous devenez admissible, vous devez attendre votre place pour ce qu'on appelle des checkings. Cette semaine d'ailleurs, nous sommes en train de passer en ligne des checkings. Le checking, normalement hors pandémie, il se passe sur place et on accueille les jeunes pour pouvoir venir apprendre sur l'école, comprendre la pédagogie, voir est-ce que vous fitez avec cette pédagogie, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous voulez vivre cette aventure comme ça ou est-ce que vous voulez un système beaucoup plus classique. Chacun peut se retrouver dans le système qui l'arrange. Une fois que vous validez le checking, que vous trouvez votre place, que vous venez, que vous le validez, vous devez attendre qu'on réouvre des places pour ce qu'on appelle la piscine. C'est le test le plus long au monde qui dure un mois. Et donc, c'est un test en présentiel. Vous venez à l'école pendant un mois. Et une fois que vous validez votre piscine, vous devenez étudiant à l'école. Et vos études, en fonction de votre avancement, durent entre 3 et 5 ans. Toutes ces informations-là sont disponibles sur le site www.1337.ma, sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Vous avez aussi une communauté très forte sur Facebook qui peut aussi vous renseigner. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour de la présentation. Ne posez pas les questions sur les check-ins. Quand est-ce que les check-ins? Quand est-ce que les piscines? On ne vous répondra pas parce qu'une fois qu'ils sont annoncés, ils seront annoncés sur les réseaux sociaux. On essaye d'en faire le maximum. Nous sommes en cours d'en organiser et on essaye de vous accueillir le plus rapidement possible. Je laisse la place aux questions de façon à pouvoir répondre au plus à vos questions en détail. I have a question about the test. Is it in English? You can choose the language that you want. You can work in English or in French. You can interact with your peers in English or in French. For sure, all the students who speak in English, I know that all the young people in Morocco speak in English.
When should I apply? Where is the profile of student you are looking for? You could apply every time. The memorial and logical test is open 24/7. So the first step, as I said, to access to 1337 is in three steps. The first one is the online test, which is open 24/7. When you get it, it's for every time. When you are validating the online test, you have to wait until we open the check-in. First in, first get. When you get your place for the check-in, you have to validate your check-in until you wait that we have to open the pool, what we call the piscine. And when you get your place again for the piscine, first in, first get, in order to give the chance to everyone, because we are not recruiting with the certificate or with the grade, etc. You get your place for the pool. When you succeed for the pool, you choose your entrance and you come to the school. What about the profile? We are looking for no profile. We are not asking for a degree. We are not asking for your notes. You are not asking for your levels, etc. What we are asking for motivation, and we are not in the limit to the last question, or is it was the last question, I guess. It was the last question. So thank you so much. If you need more information, the website 1337, www.1337.ma, or all our social media, Twitter, Facebook, Instagram, and YouTube, or LinkedIn. Thank you so much for your assistance. Merci beaucoup pour votre assistance. And see you soon. And we are here to respond to all your questions. Bye. In 2017, a new research and innovation university was inaugurated here in Morocco. Designed from the outset to be an ecosystem for innovation, research, and entrepreneurship. The first of its kind to be built in Africa. A next-generation university with five founding principles. Promoting research, innovation, and entrepreneurship. Developing skills and knowledge. Bringing forth a new generation of competent leaders. Developing sustainable partnerships. Sharing the values of social responsibility and sustainable development. Attracting many of the best minds from Africa and across the world to its main campus here in Ben Gwir, 50 kilometers from Marrakesh. Mohammed VI Polytechnic University has a forward-looking approach to research and education, fully focused on innovation, experimentation, and the pursuit of excellence, with an ethos of learning by doing. PhD students and professors work together as part of a unique entrepreneurial culture, developing pertinent research projects critical to helping Africa realize its potential, with experimentation at the heart of education, starting research in small laboratories before scaling up to full-size experimentation in our living labs. Such as the experimental farms to test new methods in agriculture and fertilization. Making ideas grow and incubate in the innovation and entrepreneurship platform with a network of mentors, coaches, and numerous scale-up opportunities. Tackling the challenges of education in Africa is a core principle of the university by being close to policymakers while being anchored in academic analysis and knowledge. The university focuses on bringing concrete answers to the population's needs. The Digital Learning Lab develops digital modes of education, including massive open online courses, widening the reach of education and knowledge. The university aims to bring forth a new generation of environmentally conscious, competent leaders, offering scholarships to the best students from remote areas, being socially inclusive,
giving a chance to everybody to succeed. The university is connected to a global network of academic and research institutions, while also developing partnerships with public institutions and industry, collaborating in R&D, continuous education, and knowledge transfer. Revitalizing agriculture in Africa is a challenge not only for the people of Africa, but for the people of an ever-growing world. By bringing humanities and technology sciences to the continent, and by educating the next generation of competent leaders, Mohammed VI Polytechnic University brings a solid contribution to Africa's sustainable development. Mohammed VI Polytechnic University, nurturing today's talent, impacting tomorrow's Africa. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue aux journées portes ouvertes de l'Université Mohammed VI, mais tout particulièrement à notre petite présentation du Language Lab. Donc, moi, c'est Nadia Hachlous. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter brièvement le Language Lab, ce que c'est que le Language Lab, notre principale mission et rôle au sein de l'université, mais également ce qu'on essaye de réaliser avec les différents étudiants et les différents départements et écoles au campus. Le Language Lab est une entité qui gère tous les programmes de langue, donc que ça soit les langues dites primordiales ou obligatoires comme l'anglais ou le français, ou bien toutes les langues, je cite par exemple l'espagnol, l'italien, le mandarin ou l'arabe pour nos étudiants étrangers. Notre devoir, c'est de pouvoir doter les étudiants de compétences linguistiques et de communication, de les préparer au monde professionnel et au marché de travail. Donc, ce qu'on essaie de créer, de créer des profils qui soient totalement épanouis dans l'utilisation de langues étrangères et de maîtriser l'art oratoire et de pouvoir avoir une autonomie et une totale aisance à l'oral. Au sein du Language Lab, nous proposons plusieurs dispositifs. Donc, en fait, il y a le programme de langue et de communication que je viens de citer. Donc, c'est un programme qui est partie intégrante de tous les programmes des écoles de l'UM6P. Mais c'est également, en fait, une approche personnalisée qui permet d'accompagner les étudiants, quel que soit leur niveau de départ, de leur proposer des formations types en fonction du niveau de départ, du niveau de sortie, mais aussi un accompagnement tout au long du cursus universitaire pour pallier aux lacunes éventuellement de pouvoir les aider à développer certains réflexes linguistiques. Nous accompagnons également les étudiants dans la préparation et le passage des tests internationaux, comme le TOEFL, le TOEIC, le DEF, le DALF, ainsi de suite. Donc, en fait, ce qu'on fait avec nos étudiants, c'est qu'on les accompagne jusqu'à l'atteinte d'un niveau prédéfini, parce qu'il faut quand même un niveau prérequis pour prétendre à une préparation, par exemple, pour le TOEIC ou le TOEFL ou autre. Et une fois qu'on arrive à atteindre cet objectif, on va leur donner une session de préparation qui va aboutir à un test qui est généralement organisé au sein de l'université parce que le Language Lab est accrédité. Donc, à travers nos partenariats à l'échelle internationale et l'échelle nationale, nous pouvons organiser les tests internationaux au sein de l'université sans que l'étudiant se déplace ailleurs. On organise également tout ce qui est compétition, concours pour l'art oratoire, c'est-à-dire pour les débats, prise de parole en public. Et l'idée derrière, c'est d'encourager les étudiants à pratiquer le maximum possible la langue cible et de pouvoir développer une certaine aisance et de pouvoir communiquer. Il y a aussi des programmes spécifiques
qui se font à la demande ou qui sont déjà intégrés par la demande des écoles à l'université. Donc, en fait, c'est des programmes de coaching ou de préparation au monde de travail ou aussi des accompagnements pour les projets d'étudiants, donc ce qu'on appelle l'apprentissage par projet. Et ça rejoint en fait l'idée globale et la vision globale de l'UMTSP, c'est de pouvoir accompagner les étudiants dans la réalisation de leur projet. C'est-à-dire que l'idée est initiée par eux et on est là pour les aider à réaliser, à les concrétiser tout en maîtrisant, tout en avançant dans le processus d'apprentissage de la langue, par exemple. Il y a aussi des projets d'interprétariat et des travaux de traduction. Donc, c'est à travers nos partenariats avec des universités à l'échelle internationale. Je cite, par exemple, c'est des partenariats avec l'UMTSP comme l'Université Stanford, l'Université Arizona State. En fait, c'est des projets qui nous permettent de tracer un pan entre les étudiants pour lier les deux rives. Les étudiants de l'UMTSP et les étudiants des autres universités et de leur permettre de communiquer ensemble et de partager les meilleures pratiques et les meilleures les façons ou manières d'apprentissage. Donc, en fait, sur le Language Lab, on a plusieurs activités, comme je viens de citer, mais en fait, ce qu'on, au sein du Language Lab, l'idée, c'est de pouvoir apporter une touche unique, une approche propice à la créativité, tout en s'amusant, tout en diversifiant les activités pour qu'aucune monotonie ou ennui ne s'installe. En fait, c'est plusieurs activités qui sont proposées et qui sont notamment renforcées à travers les techniques qui sont dispensées au sein de nos cours. En fait, c'est des cours qui favorisent l'interaction non seulement entre le professeur et l'étudiant, mais aussi entre étudiant et étudiant. Ça rejoint en fait l'idée de départ, c'est de pouvoir pousser ces étudiants à développer des réflexes linguistiques, par exemple, si on prend l'exemple de l'anglais, avoir un environnement totalement anglophone, une immersion, de pouvoir communiquer entre eux. Il y a aussi les flip classrooms, c'est-à-dire les classes inversées. C'est un concept qui permet en fait d'inverser les activités. Ce qu'on fait à la maison, on va le faire à la classe, et ce qu'on fait à la classe, on le fait à la maison. Et donc là, ça nous pousse à créer une certaine dynamique à développer chez l'étudiant cette aptitude à pouvoir travailler d'une manière autonome tout en étant orienté par une équipe d'une manière progressive pour atteindre les objectifs qui sont fixés dès le départ. Il y a aussi l'approche par projet, donc on a discuté tout à l'heure, je l'ai bien cité. En fait, c'est des idées qui sont initiées par les étudiants et ça nous permet en fait de les exciter, de les motiver. Donc non seulement on maîtrise la langue, mais aussi on crée des choses. Et d'ailleurs, le Language Lab a vu pas mal de projets qui se sont réalisés notamment l'idée qui était par rapport les compétitions sur le pitching, sur ce que vous voyez sur la photo. En fait, c'est deux ouvrages qui ont été réalisés par des étudiants de l'IMIN plusieurs projets qui ont permis aux étudiants de pouvoir donner l'élan à leur créativité. Il y a aussi tout ce qui est mise en scène, jeu de rôle. Bien sûr, au sein du Language Lab, on offre un suivi très personnalisé, un suivi individuel qui permet de connaître leur point de départ, leur évolution et progression tout au long de l'année, mais aussi tout au long du cursus universitaire, leur présence au sein du UMTSP, de les accompagner, de les aider, de pallier à leurs lacunes et de pouvoir leur offrir, que ce soit des supports pédagogiques adaptés à leur niveau et à leurs besoins, pouvoir réaliser en fait des parcours individuels qui répondent aux besoins de chacun d'eux. Donc voilà, et puis là vous voyez quelques exemples des projets qui ont été réalisés avec le Language Lab. En fait, voilà, l'idée au Language Lab, c'est de pouvoir
permettent aux étudiants de communiquer, de pouvoir travailler d'une manière assez fluide en utilisant une langue étrangère et de pouvoir mettre ça en pratique, quelle que soit la filière qu'ils ont choisie au sein de l'UMFISPE. Alors, merci pour votre écoute. Je reste attentive à vos questions pour y répondre. Je ne sais pas si on a une question. Alors là, je vois, de quelle langue peut-on bénéficier lorsqu'on suit un parcours à l'UMFISPE? Alors, les langues qui sont dispensées ou enseignées à l'UMFISPE sont différentes langues, mais principalement, il y a le français et l'anglais, qui sont partie intégrante des programmes des différentes écoles. Et puis, vous avez, par exemple, des écoles qui optent pour le mandarin, qui optent pour l'espagnol, en fonction de leur objectif, en fonction, par exemple, des stages qu'ils vont réaliser en dehors du Maroc, à l'étranger. Mais c'est principalement français, anglais, et puis d'autres langues au choix des écoles et des étudiants. Effectivement, tous les étudiants ont accès au Language Lab. Donc, Language Lab est là pour répondre aux besoins des étudiants. Il est mis à disposition à tous les étudiants. Voilà. Je crois que c'est la dernière question. Ben, je vous remercie pour l'attention, pour votre temps. Et puis, je vous rappelle qu'on est joignable tout le temps. Donc, vous pouvez nous joindre sur le stand. Il y a le contact de toute l'équipe et on sera un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup et bonne continuation. Bonjour tout le monde et bienvenue à la présentation du Student Empowerment Office dans le cadre des JPO de l'UMFISPE. Tarek, toi la parole. So, hello everyone. Hope you're all doing great. So, today we're going to introduce you to the Student Empowerment Office. Then we'll go over our services. So, it's basically what we can provide to you as students. So the Student Empowerment Office is not a UM6P school. We provide services to all UM6P students, so you just have to take part of another UM6P program to benefit from our services. Our goal is to basically help you make your university life experience amazing, and to do that we offer some services, so we'll go over them fast right now, then we'll get into more details later in the presentation. So first of all, we have Forum. It's an organization of students from UM6P. They manage student initiatives and students life. We also have student jobs. So you can actually get a part-time job at UM6P as a student and add that to your resume. We also have peer-to-peer tutoring. So basically, if you're really good at some subjects, say for instance, math or physics, you can become a tutor. And if you're struggling, we can provide you with free tutoring to catch up. We also have UM6P alumni, so it's basically an association that is keeping the link between graduates and the current UM6P students. So Forum is an organization made of students from all schools. They manage students' life, meaning clubs, initiatives, and events, and also student spaces. For instance, if you want to start a new guitar club, or if you need help with any event, they are the one to call. They are also your main communication channel between students
and managing staff. In fact, they hold regular meeting with them. So if you have any matter, you can ask them and your voice will be heard. You can also have the chance to be a part of this organization, which is a wonderful experience to do that. There's yearly elections that you have to take part in. So we have student jobs. They're basically part-time jobs for students in UM6P that you can apply for. They're a great learning opportunity. So you can apply what you've learned in school and have professional experience. It's gonna make your CV stand out. So you're gonna have a big advantage when applying for jobs after you graduate. And you'll also have the chance to make some pocket money that you can use however you want and be more financially independent. So here's a concrete example of a job. So Samir is a brilliant data science student in UM6P. Suppose that the data science lab in UM6P will need some help, so they send out a job offer. Samir gets his resume and applies to the job. He passes the interview wonderfully. He was very impressive, so he gets the opportunity. He will complete the job. He gets paid and can add that experience to his resume. Tara, could you continue the presentation, please, as I have some noises with the neighbors? Thank you. Sure. So peer-to-peer tutoring is a program that allows you to become a teacher. So if you're an experienced, exceptional like a student in some subject, you can become a tutor. And by becoming a tutor, you'll first of all, you'll boost your soft skills. You'll also get introduced to the job of being a teacher, which is a really wonderful experience. On top of that, tutor also gets paid pocket money based on their services. You can also become a tutee. So if you ever have a problem with a course that you're struggling with, we can assign you a tutor for free. So tutors are students that pass the same class as you, but with exceptional performance. So they can provide you with really high quality personalized tutoring. So finally, we have UM6P Alumni. It's an association made up of UM6P graduates. Its main role is to keep the link between the university and its graduates. So how can it help you? First of all, it's really, connections are really great for landing interview opportunities. So UM6P alumni work in prestigious companies and can help you get the interview. They can also help you in sponsoring your events and projects in UM6P. So since they are working everywhere around the world, they can help you get sponsorship for your projects, clubs, or initiatives. They also hold regular conferences at UM6P where they explain to you what they do in their job, so you get a preview of how the real world works and what's like the job market. So that was all. Thank you for your listening, and let's go to the questions. Pouvez-vous nous citer les clubs que vous avez à UM6P? On a plusieurs clubs à UM6P. Il y a par exemple, on a dans tous les domaines, il y a des clubs de robotique. On a
des clubs de musique, on a UM60 band, on a des clubs de piano, des clubs de théâtre, dans plusieurs voilà, domaines. En tant qu'étudiant à l'UM6P, mon expérience était vraiment très positive. J'étais vraiment impliqué dans les activités parascolaires, d'où j'ai acquis plusieurs soft skills, comment permis de booster ma employabilité et donc décrocher un job. Merci à tous pour votre présence et pour avoir été là. Thank you all, and that were all the questions. Goodbye. I think that what we should be asking ourselves is what really is happening in Africa. And I think that it is remarkable in terms of a rising Africa and a new Africa and a lot of the different conversations that I've had. I've just come from King Mohammed VI Polytechnic University, which I think was, to put it in vernacular, blew my mind away. It was just really fantastic. Je crois que le rêve du roi Mohamed VI, de voir que le Maroc, certainement qu'il y a des ressources, mais surtout compter sur les ressources humaines et de bâtir ces ressources, pas seulement pour le Maroc, mais pour l'Afrique et pour le monde. Donc, ce que nous sommes en train de construire ici, c'est de voir comment le monde de demain peut apprendre de l'Afrique. I've seen here transformation. So when we call about transformation of African economies, this is an excellent example of what can be made. It's a necessary element to transform fundamentally African economies by bringing together knowledge, education, and production. Hello everyone. I hope you had a great and wonderful experience with the Journée Porte Ouverte UM6P. My name is Mohamed Khmami. I'm the community builder. I'm a community builder at UM6P and especially at Stargate. And it's my pleasure today to introduce to you who we are, what we do, and what is Stargate, and how we support entrepreneurs and startups all over Morocco and Africa, and hopefully like in the future for the world. So for that, I would just want to give a little bit of context and a little bit of context to my presentation. So we are part of UM6P, of course, and that's why we're here today to present the services that we're offering for students, for entrepreneurs, and for startups in general. So we are an ideal environment to develop and innovate. So as you already have seen, that the university has a lot of focus on research and development and innovation, and we come at the heart of the entrepreneurship and innovation of UM6P. And as you see, we are a startup campus. And the startup campus, and what we do is that basically we provide entrepreneurs with everything that they might need, as we aim to be the one-stop shop for entrepreneurs and for startups all over the country. And here, why we're the best positions to support is that basically because we are at the center of everything. We're here, this is where Stargate is, our startup campus. This is UM6P's campus, the university.
we are surrounded with the real scale labs or living labs like the Green Energy Park, the Smart Building Park, and experimental farm or the experimental buying that are living labs or facilities that UM6P has. And then, of course, the 1337, the coding school that provides talent and technical skills. And, of course, the data center for everything related to data housing or cloud services or optimal connectivity. And, of course, there is a business development zone that is for everyone, for entrepreneurs and that want to create their offices around us. And of course, the Fab Lab that aims to for prototyping in the assistance and manufacturing for small services. And as you see around all these services, the idea is you are here. You are students at UM6P. And the idea is that we are the bridge in between you, everything that you are doing. We are the bridge in towards entrepreneurship. So you come at Startgate and you are surrounded with everything that you may need. We put everything at your disposal so you can start your entrepreneurship journey. So basically, your entrepreneurship journey starts at Startgate. And as I said, we are the bridge in here from here. Either you are a student that and you want to have an entrepreneurship experience, either with being an intern at one of the startups or co-founding one of the startups, as we are, as I said, the one-stop shop for entrepreneurs. They come in, they would say, I need, for example, a business profile, or I need an IT or a profile, a co-founder or something like that. So you come there to Startgate for that. And of course, if you are just also a researcher, it does not stop there. We are here, we encourage spin-off researches that can be transformed from business, from researches and research project into basically entrepreneurship and the business adventures. And this is basically to have an idea about the ecosystem we're surrounded with and that we all put into the service of startups. And here, I would love to give a little bit of stats and a little bit of information about Startgate. So we are the reference space that's bringing together a committed African entrepreneurship or entrepreneurial ecosystem. So as I said, we're a startup campus that offers end-to-end service or programs. Basically, we're a startup ourselves. We just started back in 2020 as we inaugurated. Then, right before COVID hit, so, and we have about 243 or 240 plus workstations that can host up to 200 plus startups that we have in our ecosystem and idea holders, of course. And of course, it's a space of 3,000 meters square that is divided into three. One, which is the core that we call the core, that is basically the co-working space where the magic happens, where the work happens and everything. And the break that is more for fun and for the entrepreneurs to relax and have fun and chill with and connect to each other. And the other one, which is the hub that is related to events and everything related to events and activities and trainings and workshops. And what we said is, as I said before, is that we aim to be the reference. And we have our target offer that is giving access to everyone from end-to-end programs. We start by awareness to ideation, incubation, and acceleration. We have a program from each part. And of course, we have an inclusive offer that is a result of a lot of partnerships with a lot of companies that we've developed among the couple of years that we started. And of course, there is funding at some maturity, some levels of maturities for startups at their maturity stages. And it's one of our also offer targets is that we provide a network of experts and the mentors that are here to listen to entrepreneurs, to mentor them, to guide them, and to provide their experience and skills. And then also, we aim to be the number one or the first class startup ecosystem, as we are like Silicon Valley or French Tech or other ecosystems internationally. And of course, we are a place that is that puts innovation beyond just the tech, but innovation at its heart, and it's a space that a place that promotes the development of an innovative and entrepreneurial ecosystem. As I said, so basically what do we have for programs is that for startups is we are a B2B2C. So our target is the programs that are here themselves to actually host or work and support startups. And as I mentioned, we have all types of programs. We have 9 programs from the part of acculturation and initiation to entrepreneurship until the access to market and acceleration.
And this is just an idea or overview for all the programs that are hosted at Stargate, from Entrepreneur Academy that is open for students as well, and Explorer that is open for students that to start their entrepreneurship journeys and work on their ideas and concretize them. And others like the Curiosity Lab, New Founders, 1337 Labs, and Plug and Play for some digital innovation lab. So all these programs that are here at the service of startups and entrepreneurs and students mainly, and that would be here, of course, to answer any of your questions if you have. And if you want to get more, to know more in details about Stargate, please email us at hello@stargate.com. That's very basic, or visit our stand today, and I'll be there myself to answer your questions. And this is basically the campus. So if you have any questions, please shoot them, and I would be more than happy to answer. So otherwise, I can just continue for the next 3 minutes. I just wanted to make sure that if anyone has a question. But however, as I said, so for example, this is, oh yeah, there is already a question. How can we, comment peut-on bénéficier d'un accompagnement si nous avons une idée de saison de vente de start-up? Comme j'ai dit, on est B2B2C, ça veut dire on travaille avec des programmes. Donc l'idée, c'est que si vous avez une idée, on a 9 programmes qui sont à Stargate maintenant, et il y aura d'autres qui sont en train de s'installer. Donc vous pouvez appliquer à l'un de ces programmes-là pour que vous puissiez bénéficier de leur accompagnement. Vous pouvez les trouver, bien sûr, soit sur les réseaux sociaux, et par la suite, si vous êtes sélectionné, si l'idée est très innovante et répond aux critères qui sont demandés par les programmes, vous pouvez bien évidemment y accéder. Donc, c'est très simple. On est ouvert à tout le monde. On est ouvert aux étudiants. Vous pouvez venir commencer. On a des hackathons, des événements, des workshops qui sont faits par soit Stargate même ou bien soit par les programmes résidents, juste pour vous. Donc, si vous avez une idée, organisez-vous des formations et des workshops pour des étudiants et professionnels hors UCSP. Si oui, comment peut-on bénéficier de ça? Bien sûr, as I said, comme j'ai dit, on est là, on est de l'entrepreneuriat et innovation de l'Université Polytechnique. Donc, on est ouvert aux étudiants de l'université, aux chercheurs de l'université, mais aussi aux jeunes entrepreneurs au niveau du Maroc. Donc, bien sûr, on a on organise des formations, des workshops, des événements, des activités qui sont soit par les programmes résidents, soit par Stargate même. Et aussi, si vous voulez organiser un événement vous-même, et on est là pour vous supporter, pour que vous puissiez l'organiser à Stargate. Et si oui, comment vous initier, c'est très simple. Quand on a un événement qui est ouvert à une certaine catégorie d'audience, donc on le partage soit sur les réseaux sociaux, soit sur bien prochainement le site web de Stargate, where you can find more details. Which it's going to be Stargate.ma. It's going to be out in the coming weeks, hopefully coming days. And it's very simple. It's open and accessible to students and everyone else, and researchers and everyone else. Do you have any other questions that I can say or? All right, I think it's my time, so it was a pleasure being with you today, and thank you so much, and see you in our stand, and if you have any questions, hello@Stargate, and I'll be there to answer them. Thank you so much. Hi everybody, I'm Omer Manchoui, Business Development Lead at Entrepreneur Academy. Entrepreneur Academy is the training and education program of entrepreneurship at UMCXP. We serve students of primary, high schools, bachelor, master, PhD degrees, faculty, researchers, staff, executives, and all types of aspiring African entrepreneurs and intrapreneurs. We are working on designing customized and tailored programs that develop the entrepreneurial mindset by giving the most adequate tools and practical skills to the participants in order to identify,
evaluate and especially execute the entrepreneurial ideas. Our offer is based on the mobilization of national and international expert trainers and mentors. Concerning our programs, they are mainly designed according to three structures: the bootcamp, entrepreneurship program, and masterclass. Concerning the bootcamp, is a week of practical training about the fundamentals of entrepreneurship. Here, the participants learn by doing and experience the journey of an entrepreneur from an idea to developing a business model. So in a week of the bootcamp, the participants go through all stages of entrepreneurs, from how to generate, how to structure the ideas, how to transform an idea into a business model, how to interact with the clients, how to pitch front of investors, and of course, the clients. Then we have the other program, which is the entrepreneurship program. Entrepreneurship program is delivered over one semester and it takes 50 hours or over one trimester and it takes 26 hours. The objective of an entrepreneurship program is making the participants able to discover their full potential of entrepreneurial career and giving them the chance to meet with the principal actors of the entrepreneurial ecosystem in Morocco. And we have the masterclass, which is advanced practical trainers. And they will give you an example of a masterclass, which was intended for researchers in Morocco and in Senegal. It took place on July. So we are working in all circumstances. The outcome of this project was having six startups in the phase of ideation. We've also organized what we called a Generation Entrepreneur, which is a weekend bootcamp for all UM6P, for staff, students, and of course, researchers. It was for the purpose of fostering the entrepreneurial mindset and giving the adequate tools and fundamentals that allow the participants to succeed in their entrepreneurial journey. The participants here learned how to generate ideas from nothing. They had no background about entrepreneurship, how to design their products or services, how to elaborate their business model, how to understand or even grasp the mindset of their clients, and of course, how to pitch. We've also designed the Futurepreneur. The Futurepreneur is an innovative program for students aged between 9 and 18 years old. It's an educational program for primary and high schools of both public and private Moroccan schools. It is for the purpose of giving a chance to the futurepreneurs that are children, so they are belonging this category of age from 9 to 18 years old, to know or to discover their own skills, their own capabilities, their own skills, their own interests, to demonstrate the spirit of teamwork, autonomy, perseverance, and many, many important skills. We've also launched the Ecosystem Talk. Ecosystem Talk is a debating series that tackles the entrepreneurial environment in Morocco and in Africa. The objective is to bring together practitioners and experts, researchers from both private and public sectors to reflect on and discuss the problems and challenges that would cripple or even hamper the development of the entrepreneurial environment in Morocco and in Africa. And by the way, you are cordially invited to our second edition of Ecosystem Talk about entrepreneurship in Africa, challenges and potential. It will take place
on the 9th April at Technopark Casablanca. Entrepreneur Academy in numbers, we had more than 400 students that attended our entrepreneurial programs. We are working on based on about 150 tools and fundamentals of entrepreneurship, and we are the only program that work for with resources. We are a team of three. Mrs. Lamia Husni, the managing director of Entrepreneur Academy and P Curiosity Lab, Mr. Conan Kouassi, Development and Operational Program Lead, and me, Business Development at Entrepreneur Academy. To be updated about our events and the coming programs, I invite you to follow our LinkedIn and Facebook pages. Thank you. Do you have any questions? If we are students at UM6P, how could we benefit from the training of Entrepreneur Academy? We launched call out for applications for our specific programs and training, so you can just apply for them. It's very simple, don't worry. Okay, great. Thank you for your attention. Do you have any question? Please feel free to contact us via our LinkedIn and Facebook pages or via our mail, Entrepreneur Academy. You have the address below. Thank you. In 2017, a new research and innovation university was inaugurated here in Morocco. Designed from the outset to be an ecosystem for innovation, research, and entrepreneurship. The first of its kind to be built in Africa. A next-generation university with five founding principles. Promoting research, innovation, and entrepreneurship. Developing skills and knowledge. Bringing forth a new generation of competent leaders, developing sustainable partnerships, sharing the values of social responsibility and sustainable development, attracting many of the best minds from Africa and across the world to its main campus here in Ben Gwir, 50 kilometers from Marrakesh. Mohammed VI Polytechnic University has a forward-looking approach to research and education, fully focused on innovation, experimentation, and the pursuit of excellence, with an ethos of learning by doing. PhD students and professors work together as part of a unique entrepreneurial culture, developing pertinent research projects critical to helping Africa realize its potential. With experimentation at the heart of education, starting research in small laboratories before scaling up to full-size experimentation in our living labs. Such as the experimental farms to test new methods in agriculture and fertilization. Making ideas grow and incubate in the innovation and entrepreneurship platform with a network of mentors, coaches, and numerous scale-up opportunities. Tackling the challenges of education in Africa is a core principle of the university by being close to policymakers while being anchored in academic analysis and knowledge. The university focuses on bringing concrete answers to the population's needs. The Digital Learning Lab develops digital modes of education, including massive open online courses, widening the reach of education and knowledge. The university aims to bring forth a new generation of environmentally conscious, competent leaders, offering scholarships to the best students from remote areas, being socially inclusive,
giving a chance to everybody to succeed. The university is connected to a global network of academic and research institutions, while also developing partnerships with public institutions and industry, collaborating in R&D, continuous education, and knowledge transfer. Revitalizing agriculture in Africa is a challenge not only for the people of Africa, but for the people of an ever-growing world. By bringing humanities and technology sciences to the continent, and by educating the next generation of competent leaders, Mohammed VI Polytechnic University brings a solid contribution to Africa's sustainable development. Mohammed VI Polytechnic University, nurturing today's talent, impacting tomorrow's Africa.